Ouais. Toi, t'as vraiment pris l'habitude d'avoir un chargeur. J'ai toujours. Hein. Qu'on a 12 ans, genre, je sais. Pour moi, quand t'avais un freaking huge bloc de briques, quand ça venait de sortir. Moi, j'en ai genre 3 ou 4. J'ai toujours à court de batterie. Ouais, je sais pas trop bien, c'est bon. C'est Ivan qui l'avait acheté, mais c'est à l'église. Ah ouais? Je l'ai chez moi. Ah ok, mais pourquoi tu dis ça? Ça c'est nice. Ben je pourrais, en fait, je pourrais mettre... Parce que c'est une console, mais elle enregistre. Ouais. Puis c'est comme un studio, je sais pas si tu t'en rappelles, mais comme tu peux retravailler tes mix dedans. Ouais. Mais pourquoi tu dis pas ça, c'est portatif? C'est quand même assez portable, ouais. C'est juste que, je sais pas que la petite. Non, mais for real, au lieu d'investir dans un autre truc, tu peux prendre ça, puis la tête. Mais elle est pas en train. Genre, j'ai demandé à Umberto pour la prendre, puis ouais. Mathieu va la prendre. Mais vas-y. Parce qu'elle était à l'église pendant deux ans. Ouais. Deux, trois ans, là, et elle faisait. Ouais, mais si t'as dit moi de prendre là, c'est parce que. Je l'ai utilisé en quelque enregistrement. Quand on faisait des projets plus gros qui avaient besoin de plus de 4 trucks, ouais. Je la prends tout le temps. Mais elle a juste 8 trucks aussi, tu vois. Ok, ouais. Fait que c'est pas beaucoup dépendamment de ce que je veux faire. Ok. J'ai déjà envie d'un truc qui va me durer aussi. Okay. Parce que je me rappelle quand j'ai fait un enregistrement, genre, j'avais juste 8 puis j'étais au max. Comme j'avais utilisé mon Zoom pour avoir genre un input de plus. Okay. Ouais. Fait que c'est un peu rush. Ouais. Pour un petit quick truc, c'est autre chose. Ouais, genre, ça me sert quand j'ai besoin, mais. Ah non, elles sont. Ah, regarde. Pas pour live, là, c'est juste comme pour y penser, puis planifier, puis après investir l'argent. Mais il y a les mixeuses digitales. Ben, c'est ça, c'est ça que je pense, mais comme, il y en a aucune qui. Tu veux dire genre les petits carrés, là les... Ouais. Non, il y a des logiciels. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est, ouais. Ça coûte quand même assez cher, mais ouais. Tu achètes un laptop assez performant. C'est ça, je veux dire. Il faut jamais être avec un laptop. Vends ta Tony 60 en 2500. Hein. J'ai quand même besoin pour l'instant. Parce que quand je suis en train de chercher la Burger, j'ai vu qu'ils ont la Burger X en deux, mais comme en format genre One U. Genre qui se met sur un rack. Tu vois. Ah. Fait que j'étais comme peut-être genre, je pourrais mettre, ça coûte environ 1200-1400. Okay. Fait que j'étais comme peut-être ça avec un bon laptop, mais là, genre, je sais pas. Mais check tes options. Check les gars qui ont des studios portatifs, mm-hmm. Qui font. Yeah. Achète-toi de quoi de qualité, même si tu veux genre 10 ans. Yeah. C'est pas cheap. C'est l'X32, en version genre portable, de 2U.
Ça se plug à l'ordi, c'est pour pas le glander. Ah bah ouais, tiens. Mais la tablette aussi. Ouais, aussi, aussi. Fait que, c'est pas, genre, c'était que ça, c'est quand même, vous savez pas si ça existait. Yo, je peux parler avec le gars qui a ça. Parce que lui, il a littéralement, genre, trois racks portatifs. Ok. Quand on fait des gigs dans des trucs petits. Ok. Il amène ses trois racks, puis il fait self-monitoring avec. Okay. Fait que je peux parler avec toi. Ah ben on fait là. Je vais encore checker mes combos puis comment faire là. Mais ça a l'air fou intéressant pour eux. Genre UG ça peut être 1300. Neuf c'est 1800. Okay. Je te conseille d'acheter ça. J'ai fait tous les babies et tout, mais quand on a quelques babies, j'ai fait tout un minuscule. Moi aussi.